Écoutez, au nom du gouvernement américain, je peux vous assurer que tout est sous contrôle. Oui, Jean-Marc, je vous confirme bien que l'objet que nous pouvons voir dans le ciel est de type soucoupe volante. C'est incroyable! Nous attendons un communiqué de la Maison Blanche d'un instant à l'autre, Jean-Marc. Pour un flash spécial. Un objet de forme circulaire survole actuellement la capitale. Tout de suite, notre envoyée spéciale sur place, Sophie la Chouette. Oh putain ! Oh ta gueule ! Mais regarde, bordel, regarde ! Eh bien, Jean-Marc, je suis toujours au cœur de l'action. Nous ne pouvons pas encore nous prononcer avec certitude sur la nature de l'alien et toutes les suppositions sont encore possibles, Jean-Marc. Après avoir analysé et vérifié les échantillons, nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous sommes en présence d'une technologie inconnue sur notre planète. C'est passionnant! Oh mes frères! Oh mes sœurs! Notre jour est arrivé! La prophétie de Kashloum et les écrits de Garnish sont en cours d'exposition! Notre sauveur, notre guide universel, est en train d'arriver! Synchronisons nos âmes et nos chakras dans le cloud universel et cosmique, car nous sommes en train de réaliser la prophétie! Laisse-toi pénétrer, mon frère! Laissez-vous pénétrer, mes sœurs! Car il est là, aujourd'hui! Nous entrons dans une nouvelle ère. L'arrivée de cet ovni va changer la face du monde. C'est un nuage, rien de plus. Ne cédons pas à la panique. Et tu te demandes pas pourquoi ils viennent justement sur une autre planète à nous? Je sais pas, il y a peut-être du chômage chez eux et ils viennent chercher du taf ici, quoi. Réfléchis, bordel! Ça se trouve, ça fait des dizaines d'années qu'ils nous observent pour mieux nous envahir, peut-être qu'ils nous étudient de loin, et même si ça se trouve, en ce moment, ils sont en train de nous écouter et ils comprennent que j'ai compris! Tu comprends? Vu le bordel qu'il y a autour de leur truc, là, à mon avis, ils ont rien à foutre de toi. Je suis sûr que c'est un complot du gouvernement, ils sont au courant de tous les mecs. Ouais, enfin, ils ont pas l'air super au courant, là, en tout cas. Le direct a été interrompu, attention. Que c'est un putain de nuage! Je le sens! Le vaisseau est arrivé! Toi! Je mange des chips dans mon lit. Oui! Et toi? Ton petit pull gris m'excite. Ah oui! Et toi? Je vous aime. Et toi? Les filles douces usent de la ratatouille. Exactement. Et toi? J'aime caresser des nénuphars à la rosée du matin. Oui! Oui! Il est là! Je le sens! Écoutez, monsieur le scientifique, cessez d'être grossier, s'il vous plaît. Écoutez, je préfère être grossier que fief et menteur. Va te faire en c***, je te dis! D'après toi, à quoi il ressemble? Alors que les essais de l'armée sont restés sans réponse, le doute s'installe. T'imagines, si ça se trouve, ils sont vachement plus grands que nous, ils sont tout violets, même pourpres, tu vois. Et genre, ils auraient des grands mentons, des tentacules à la place des bras, ils cracheraient du pu. Oh non, maintenant, chopez, je mange là. Et attends, si ça se trouve, leurs femelles, elles ont 10 paires de seins comme ça collés. C'est formidable! J'en ai assez, vous me cassez les coups. Général Daniels, vous m'entendez? Vous me cassez les coups. Allez, coupez l'antenne, coupez l'antenne, coupez l'antenne. Absolument, Jean-Marc. Nous pouvons dire qu'ici, il se passe quelque chose. Nous venons enfin d'apercevoir des signes de vie de la part de l'extraterrestre. Nous ne savons pas encore s'il essaye de communiquer avec nous ou d'émettre un rayon mortel afin d'éradiquer l'humanité.